m'as pas réveillée. J'aurais pris le volant, tu dois être fatiguée. Non, je pouvais pas faire ça. Tu es tellement belle quand tu dors. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Ah oui, déjà? Tu te rends compte qu'on n'a jamais été séparés plus d'une heure, toi et moi? Si tu dis encore un mot, je reste avec toi. Et si jamais tu tombes amoureuse de ce petit village et que tu ne reviens pas? Si ça arrive, tu promets de venir me reconquérir? Oui, c'est promis. Agnès! Ils choisiront ton projet. Je parie que vous vous appelez Agnès Wallem. Oh. Vous devez parier souvent, non? Mylène Forsberg. Je suis la pasteur de Frossing. Ah. Alors c'est vous qui avez appuyé mon dossier? J'ai bien aimé votre idée, en tout cas. Donc, il ne me reste plus qu'à vous convaincre de l'intérêt de l'ensemble du projet. Alors commencez par fermer votre ordinateur et admirer un peu le paysage autour de vous. C'est la première impression qui compte, un peu comme avec les personnes. Vous savez comment les gens d'ici appelaient les fjords autrefois? Non. Les bras de la mer. Oh, pas mal. Regardez, le rocher de Thorsberg avec sa fameuse chute d'eau. Un lieu de sacrifice où les hommes présentaient des offrandes aux dieux Odin, Thor ou à la déesse Freya. Et qu'est-ce qu'ils leur apportaient? La plupart du temps, un sac rempli de blé ou bien une jarre pleine d'hydromel. Mais il y a des époques où on sacrifiait des enfants. Il fallait vraiment que les hommes soient désespérés pour en arriver là. Oui, ou alors ces mêmes hommes avaient peur de la colère des dieux et de leurs effets sur Terre. Pour sauver leurs enfants, ce sont les mères qui décidaient de sauter dans le vide. Je vous présente notre village. C'est le bout du monde ici. Ou bien le début d'un autre? Peut-être bien. Donnez-moi ça. Merci. Qu'est-ce que c'est mignon chez vous? Oui. Oh, et ça, c'est votre hôtel. C'est ravissant. Merci. Je voudrais visiter l'église communale avant ce soir. Comment y va-t-on? C'est par là, à environ 10 minutes à pied. Merci. Je vous accompagne. C'est gentil, mais je crois qu'il vaut mieux que j'y aille toute seule. Pour un paysage ou une maison, c'est toujours la première impression qui compte. C'est comme pour les personnes. Je suis tout à fait d'accord. Je vais noter ça quelque part. Au revoir. Avec Eric, parce que lui, il voudrait bien se marier avec vous. Alors dites oui. Salut. J'ai pas voulu te faire peur. Ne te gêne pas pour moi.
Tu peux continuer à jouer. Bonjour. Je parie que vous vous appelez Agnès Wallem. Moi, c'est Fredo. Je suis le propriétaire de l'hôtel. Très bien, enchanté. J'ai une petite question. Pourquoi est-ce que tout le monde veut parier avec moi? Il se passe pas grand-chose ici. Alors les gens parient sur tout, même sur le sens du vent. Comment croyez-vous que les habitants de ce petit village survivent depuis 10 000 ans? Vos affaires sont dans votre chambre. Oh, merci. Vous avez peut-être envie de vous changer pour aller à la réception? Pardon, mais où est-ce que je dois aller? À la maison communale. Madame le maire voudrait vous présenter à la population. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je la voie d'abord en tête à tête pour faire connaissance? Vous la verrez, mais avec du monde autour d'elle. Malheureusement, je ne pourrai pas être présent. J'ai un rendez-vous galant. J'en suis désolée. C'est bien essayé, mais vous n'avez aucune chance. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Mia. Bonjour Mia. Je m'appelle Agnès. Pourquoi t'es venue? T'es invitée? Oui. Alors viens avec moi. Très bien. Dis donc Mia, tu devrais pas déjà être au lit? J'irai avec papa quand il arrivera. Ah, et où est-elle ta maman? Là-bas, même qu'elle est aussi le maire du village. Moi, Mia, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Agnès ! Ça alors ? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens d'aller dans la salle et il y avait ta femme, Louisa, et ta fille, Mia. Et maintenant, c'est toi qui es devant moi. Tu veux bien me dire ce que je fais ici? Je sais pas, moi. Je crois qu'un architecte doit présenter son projet à la population. C'est moi, cet architecte. Et la réunion publique, c'était pour moi. J'imagine que Louisa connaît toute l'histoire. Évidemment qu'elle connaît toute l'histoire. Écoute, Christian, ne m'en veux pas, mais je crois que ma place n'est pas ici. Agnès! Agnès! Tu ne crois quand même pas que c'est moi qui suis derrière tout ça? Permettez. Une petite devinette. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à fuir une réunion de travail? Je sais pas, parce que cette femme a mal à la tête. Tenez. Une seule, ça vous changera les idées. Merci. Je pense que vous connaissiez déjà Christian. Oui. Est-ce que vous croyez au destin? À
un de mes amis. Vivait tranquille. Il était très heureux, tout allait bien. Et un jour, il a surpris sa femme avec un autre homme, c'était son propre frère. Oh. Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Il s'est séparé de sa femme. Cette femme et le frère sont toujours ensemble. Tous les trois, ils vivent sous le même toit depuis une trentaine d'années. À votre tour. J'ai connu une femme. Je l'ai même très bien connue. Elle était avec un homme dont elle était très amoureuse. Et puis un jour, elle a décidé qu'elle n'en avait pas assez et elle a quitté. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle avait eu tort, elle a voulu retourner avec cet homme. C'était déjà trop tard, sa nouvelle femme était enceinte. Mon histoire est plus intéressante. Oui, mais la mienne n'est pas encore terminée. À des centaines de kilomètres, dans un village au bord d'un fjord, elle voit l'homme dont elle avait été amoureuse. Il y a aussi sa femme et leur petite fille. Aujourd'hui, cette femme ne sait absolument pas ce qu'elle doit faire. Cette femme est-elle venue au bord du fjord à cause de cet homme ? Non. Non, ce n'est pas pour lui. Bah alors ? Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Agnès. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Bonjour, Louisa. Je suis contente de te revoir. Ça remonte à 8 ans déjà. Merci pour l'invitation. C'est bien toi que je dois remercier, je crois. Non, c'est surtout toi. Je veux dire, ton projet était le meilleur. Et le fait que c'est moi qui l'ai proposé, ça ne t'a pas un peu dérangé ? Il faut savoir oublier. Louisa, on va commencer. Vous venez ? Ouais. Madame Wallem a validé le fait qu'elle devrait retravailler son projet lorsque la commission l'aura examiné et livré ses suggestions. C'est pour ça que la représentante de la paroisse et la mairie ont tenu à l'inviter. Et je crois, et surtout j'espère... Une minute ! Je voudrais dire quelque chose. Je suis le doyen du village. J'étais encore un petit garçon haut comme ça lorsque la maison communale où nous sommes a été construite. C'était juste après la Grande Guerre. Et on disait Grande Guerre jusqu'à ce qu'on commence à numéroter les guerres. Cette maison est ici depuis plus de 80 ans. Et les habitants de ce village en sont fiers. Elle nous a rendu bien des services. Alors maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce qu'on a décrété qu'il nous fallait une nouvelle maison communale. Attendez, je voudrais encore dire quelque chose. Ce bâtiment a été rénové il y a 30 ans, autant que je me souvienne. S'il vous plaît, votre attention. Du calme, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Tout changement nécessite une ouverture d'esprit. Je vous demande donc de donner une chance à Madame Wallem en écoutant ce qu'elle a à nous dire. Un jour, une femme très intelligente m'a dit « La première impression face à un paysage est souvent la plus importante. » C'est pareil avec une personne. Vaut mieux que ce soit un beau paysage, alors. Je suis venue ici pour vous permettre de créer un espace de vie qui soit ouvert. Un lieu de rencontre lumineux qui respecte la nature et l'environnement. Être architecte aujourd'hui, c'est parfois réécrire les arrangements d'une vieille mélodie. L'intégration paysagère que vous allez découvrir n'est pas du tout un défi à votre patrimoine. C'est un projet qui respecte cette histoire et cette culture qui sont les vôtres. Je ne suis chez vous que depuis quelques heures. Et je peux vous dire que je suis déjà tombée amoureuse de votre village. Alors je vous en prie, laissez-moi une chance. Mon Dieu, pauvre petite. Peut-être tombes-tu amoureuse trop vite et trop facilement. Thank you.
va? Ouais. Alors, tu n'as rien à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'aurais dû t'en parler? Qu'il n'est jamais bon de rouvrir de vieilles blessures? Un truc comme ça, oui. Tu crois que ça aurait changé quelque chose? Non, mais je n'aurais pas eu l'air d'un imbécile et elle ne m'aurait pas accusé d'avoir tout manigancé. La mairie a reçu 7 projets, il fallait en choisir un. Et il se trouve que celui d'Agnès Wallem était de loin le meilleur. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dire au conseiller qu'il fallait rejeter son dossier sous prétexte que c'est quelqu'un que tu avais bien connu. Et il fallait à tout prix qu'elle vienne ici. Tu connais les gens qui sont à la paroisse. Pour eux, les esquisses d'Agnès, c'est de la science-fiction. Il fallait bien essayer de les persuader, alors je l'ai appelée pour lui dire de venir. Oh, d'accord, je reconnais que j'aurais dû t'en parler, mais j'avais tellement de travail que j'y ai pas pensé. D'accord. C'est pas grave. Moralité, je suis passé pour un idiot auprès de cette chère Agnès, parce que tu es débordée. Je ne t'en veux pas. Je crois qu'elle vient de se mettre à son compte. Elle doit avoir besoin de ce contrat. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre couple et notre mariage? Des sujets que tu évites soigneusement d'aborder quand tu es là. Justement, je suis là. Et on en parle, non? Ah oui, bien sûr. Mais Mia, elle aussi, te voyait plus souvent avant. Nous y voilà, parce que je travaille beaucoup. Mon pauvre mari doit s'occuper un peu plus de sa fille et les gens devraient le plaindre et se mettre à genoux devant lui. Non mais arrête! Qu'est-ce que tu racontes? T'as raison, je dois me tromper. Ça en dit long sur l'état de notre mariage. Oui, Jonas, je sais que j'avais dit que je t'appellerais hier soir, mais il a fallu que je me démène pour essayer de convaincre les personnes de la paroisse. Non, au contraire, ça n'a pas été facile. C'est toi qui dois les impressionner, pas le contraire. Dommage que tu sois pas là pour voir cette église, je t'avoue que c'est une véritable œuvre d'art. Je peux et je veux y arriver. Et tant pis si ce projet ne me rapporte rien. Je dois te laisser, on en parlera une autre fois. Ah, excuse-moi, je savais pas que tu devais... C'est rien, je t'embrasse et je t'aime. Moi aussi. C'est toi qui me rappelles, d'accord? Je te laisse travailler. Oui, salut. Je parie que vous allez craquer pour mon expresso machin truc amélioré. Chaque fois que vous pariez, vous gagnez. Est-ce que je peux vous proposer autre chose? Une omelette aux champignons? C'est certainement délicieux, mais je préférais une assiette de fruits. Vous avez ça? C'est moi qui les ai cueillis. Mais vous êtes vraiment incroyable. J'ai le droit de monter dans ma chambre? Il faut une dérogation. Oh, je demanderai au patron. Bonjour. Bonjour, Mylène. C'est votre table de travail. Oh, vous êtes sûre? Ils l'ont simplement posée là. Ouais, ils sont comme ça. Alors, vous avez bien dormi? Oh, la nuit a été un peu longue à mon goût. Le temps passe plus lentement qu'ailleurs dans un village comme le nôtre. Ça se ressent chez les habitants quand il y a du changement, ils se méfient. Vous parlez de méfiance, c'est plutôt un rejet massif. Et alors, ça peut être instructif? Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Pourvu que votre patron vous entende. À tout de suite. Bonjour Agnès. Bonjour Christian. Comment vas-tu? C'est bon de te revoir. Est-ce qu'elle sait qu'on se connaît? Non, je ne pense pas. À moins que ma femme lui ait dit quelque chose. Tu en as parlé avec elle? Oui. Ça, tu peux être sûr que j'en ai parlé avec elle. Très bien. Et alors? C'est loin pour elle. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai toujours aimé, je construis des bateaux. Oh, quand tu auras 2 minutes, mon bureau est près du port. D'accord, quand j'aurai 2 minutes, je te promets. Toi, si tu veux me trouver, mon bureau est juste là. D'accord.
Au travail. Oh, merde. Mon grand patron est quelqu'un de tolérant, mais il attache de l'importance au choix des mots, y compris à l'extérieur de la maison paroissiale. Si je dis mince, ça lui conviendra? Je pense. Qu'est-ce que c'est lourd, mince alors? Ça ira mieux avec un café bien fort. Et aussi avec quelqu'un de fort. Vous voulez bien m'aider? Moi oui, mais mon dos non. Oh, je trouverai bien quelqu'un. Vous croyez que je peux demander à Fredo? Mon beau-frère? Oui, mais il faut vous dépêcher, il doit aller faire des courses. Fredo est votre beau-frère? Depuis 30 ans, oui. Oh. La vie emprunte de drôles de chemins. J'ai appris qu'il valait mieux les suivre. Salut. Tiens, tu les as trouvés tes 2 minutes? Juste 2. C'est chouette ici. Tu fais toujours des essais dans une baignoire? Oui, mais dans la grande, celle qui est juste devant la maison. Et ça marche bien? Oui, mes bateaux arrivent à flotter. Oh oui, vous dites ça. Et un beau jour, il y a un pont qui s'écroule. Moi, je fais des bateaux qui flottent. Et tout ce que tu fais, ça part de ce bureau? Je te présente mon bazar. Café? Non, j'ai besoin d'un homme fort. Oh oui, il n'y a pas de problème. Prends celui que tu veux. Dépêche-toi. Ok. Il revient tout de suite. J'allais le dire. Des admirateurs? C'est la pasteur. Ah. Paysagère. Vraiment. J'ai quand même un doute sur ton avancée suspendue. Tu vois, les filins qui maintiennent les... Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Je dois aller travailler. À plus tard. Ça va aller? Oui. Tu pourras prendre le seau? Bon. Ça va? T'as déjà fini? Oui, pour aujourd'hui. Attends. Ta fille est adorable. Tu as des enfants, toi? Non, pas encore, mais on y travaille. Bonjour, Agnès. Bonjour, Mia. Oh, on dirait que papa a pêché des poissons volants qui se sont envolés. Oh, c'est bon. Ah, il y en avait plein, non? Allez, viens. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de papa. Hey, faut pas dire ouais, ça. Ouais, je sais. 1 petit, 2 petits, 3 petits indiens. 4 petits, 5... Tu ne chantes pas? 1 petit, 2 petits, 3 petits indiens. 4 petits, 5 petits, 6 petits indiens. 7 petits, 8 petits, 9 petits indiens. 10 petits indiens. Oh, bonjour, mon trésor. Salut, ça va?
Salut. J'ai encore 2 heures de travail au bureau et après, je fonce à la maison, ok? Non, j'ai une réunion au village. On m'a appelé tout à l'heure. T'as une réunion, maintenant? Ouais. On en a déjà parlé. Je suis le maire et je n'ai pas le droit de faire les choses à moitié. Mais tu es une mère de famille et tu es mariée aussi, non? J'ai pas le choix, je suis désolée. Ok. Bien. Mia? Changement de programme. Papa va te ramener à la maison. Tu vas au bateau? Je te rejoins. À tout à l'heure, mon cœur. Je suis en plein de vie pour un de mes clients les plus importants. Et au milieu de tout ça, je vais chercher la petite à l'école. Je joue avec elle et je voulais te faire une surprise en te faisant un dîner. J'ai une idée. T'as qu'à inviter Agnès ce soir. Tu pourras lui dire comment convaincre les membres du conseil. Et puis, ça te fera du bien d'avoir une femme à tes côtés. Oui. Peut-être que tu as raison. Ne te gêne pas pour moi. Agnès, ça te dirait de dîner à la maison avec Mia et moi, ce soir, par exemple? Une place vient de se libérer? Mmh. On peut dire ça, oui. Je vais finir de préparer la salade. Mia, dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu mettais dans ta salade déjà? Un peu de champignons, du vinaigre de vin blanc, de préférence. Et tu mettais aussi pas moins de 4 huiles différentes. 1, 2, 3, 4. Tu t'en souviens alors? Bien sûr. Il y a des choses comme ça qu'on peut pas oublier. Donc tu as dit que tu voulais un enfant. Il y a un homme dans ta vie? Jonas. Et c'est quoi son métier? Neurologue. Quand il dit que je l'énerve, je lui réponds que c'est parce que je sais qu'il aime ça. Et est-ce que tu es heureuse? Oui. Nous sommes heureux ensemble. Combien de temps, vous deux? 5 ans ou même 6 ans? 6. Hein? 6 mois. Ah. Ah. Oh.
passe? Tu veux que j'aille chercher Christian? Non. Non, ça va aller. Dis-moi ce que tu as. Rien, je suis un peu fatiguée. Le surmenage, c'est tout. S'il y a autre chose, tu peux me parler, je suis là. Je suis sérieuse, Louisa. Si ça ne va pas, il faut le dire. Je suis malade, mais il faut surtout pas en parler. C'est déjà l'heure. Il faut aller te coucher, hein? Non, papa, j'ai pas envie. Oui? Et comment tu feras pour te lever demain matin? C'est pas juste. C'est vrai. Ah, ok. C'est vrai que tu as raison. Alors, il faut le crier haut et fort. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Bien. Ok, tu dis bonne nuit à Agnès, Mia? Je dis bonne nuit à Agnès, Mia. Bonne nuit. Bonne nuit, Mia. Bien. Je vais lui raconter la suite de l'histoire des loulous et des lalas, d'accord? Ensuite, je te dirai comment convaincre tout un conseil municipal. Ça pourrait m'être utile. Sans doute. Il y a une autre bouteille dans la cuisine. Et toi, hop, enlevez ces pesées. Bonne nuit. Les lalas n'en ont pas dormi de la nuit. Ils se demandaient ce que les loulous voulaient dire quand ils ont chanté « Montez, grimpez, prenez les petits paquets ». Mais pourtant, c'est quand même simple quand on y pense. Alors, les paquets, vu que c'est Noël, ce serait ? Les cadeaux. Les cadeaux, c'était facile, non ? On présume que la reine, qui ne manquait pas d'amour propre, avait exigé ce serment ne croyant pas qu'il fût au monde personne qui pût l'égaler, pensant bien que c'était pour s'assurer que le roi ne se remarierait pas. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout, il fourmillait courtisans et valets. Il y avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait le plus en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses grandes oreilles. Cette injustice peut surprendre, mais lorsque tu sauras ses vertus dont pareil, tu ne trouveras pas que l'honneur fut trop grand. La nature avait voulu qu'il ne fît jamais de crottin, mais ses cuillerouilles d'or qu'on allait recueillir tous les matins sur sa blonde litière à son réveil. J'arrête ou je continue? Tu continues. Tu continues. D'accord. Encore une petite histoire, mais après on lit. D'accord? C'est la saison que préfèrent toutes les mamans du monde. Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Merci pour ton invitation.
Bonjour. Salut. Dis-moi, tu vas peut-être me trouver curieux, mais je te pose quand même la question. Est-ce que je peux savoir d'où tu viens? C'est pas de la curiosité, c'est de la jalousie. Après la réunion, je suis allée boire un verre avec Maria. J'ai un peu abusé, alors j'ai préféré dormir chez elle, c'est tout. Ah, oui, et ton téléphone n'avait plus de batterie et tu avais oublié le chargeur? J'avais peur de te réveiller. Agnès est venue dîner, en fin de compte? Oui, Agnès est venue dîner, en fin de compte. Et c'était comment? À moins que je sois trop curieuse, moi aussi. C'était sympa. Tu vois, finalement, c'était pas si terrible que ça. Ça s'est bien passé avec Mia? Forcément, elle l'aime bien. Louisa, écoute. Ça fait plusieurs mois que ça ne marche plus très bien entre nous deux, tu le sais aussi, non? Je veux dire, ça fait je ne sais combien de fois que tu pars le soir et que tu ne reviens que le lendemain matin. Et c'est vrai que ça commence à être un peu bizarre. Tu fais venir Agnès, tu ne m'en parles pas avant, elle vient dîner chez nous, toi tu pars et tu reviens le lendemain, hein? Alors si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi maintenant. Tu crois pas que tu dramatises un peu? Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre! Je voudrais simplement comprendre et savoir ce que tu as. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire exploser notre famille! C'est pas bien de crier sur maman. Non, attends. Oui. Oui, tu as raison. Tu sais, mon cœur, il arrive que les adultes se disputent. C'est normal pour eux. Pourquoi elle est comme ça, maman? Maman a beaucoup de travail à faire en ce moment. Alors on doit lui montrer qu'on est là. Tu veux bien? On va y arriver? Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. On va prendre notre petit déjeuner. Et voilà. Merci beaucoup. Vous avez bien dit que la femme au centre de votre histoire était la pasteur. C'est ce qui fait la beauté de ce genre d'histoire, le fait de découvrir la vérité par soi-même. Mylène était, et reste, mon grand amour. Seulement voilà, elle aime mon frère. Comment avez-vous pu abandonner et la regarder partir comme ça? Vous n'avez rien fait pour la récupérer? Naturellement, il y a eu des pleurs, beaucoup de tristesse, et tout ce qui va avec. Mais au bout du compte, mon destin était ailleurs. Il fallait bien que j'accepte le fait que les choses sont comme elles sont. Mais il ne se passe pas une seule journée sans que je pense à Madame la Pasteur. Vous devez me trouver un gars. Pas du tout. Ah. Vous avez un petit truc sur la bouche. Tu sais à qui je pense en ce moment? Oui, moi aussi je pense à toi. Tu en es sûr? Pourquoi est-ce que je ne serais pas sûr? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'Agnès n'est jamais là quand je l'appelle. T'étais où? Je coupe mon téléphone quand je travaille, mais je suis bien là. Tu en es sûr? Non. Je te raconterai tout ça quand je serai rentrée. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Salut. Et au-dessus, vous pouvez voir les représentations païennes. Elles symbolisent le combat des habitants contre les mauvais esprits.
Ces temples ont été bâtis à l'époque où les Vikings ont basculé du polythéisme vers le christianisme au 8e siècle. Et si on regarde bien, on voit que c'est ni plus ni moins qu'un bateau à l'envers. Ne pas confondre avec ceux décrits dans les poèmes de l'Edda, comme le Naglfar. Dans la mythologie nordique, c'est un bateau qui a été construit avec les ongles des morts. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi le bateau des cadavres. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il va bientôt revenir. Mais mon patron, qui a son bureau au-dessus, me remet sur le droit chemin. Si vous le voulez bien, nous allons visiter l'intérieur. Tout à l'heure, j'ai consulté les archives de l'église et j'ai vu une note disant qu'il n'y a pas longtemps vous aviez découvert des peintures rupestres. Je pourrais les intégrer à la nouvelle façade. C'est une bonne idée. Elles sont enterrées depuis des siècles, c'est dommage. Elles sont où exactement? Christian peut vous dire ça. Tu veux pas que je vienne avec toi? Non, je trouverai. Là. Pas par là. Sinon, tu vas tomber à 3 km de la pierre du sacrifice. T'as dit qu'il fallait passer à droite et continuer à monter. Non, j'ai dit que tu devais laisser les rochers sur ta droite et monter. Bah, là aussi, ils sont à droite. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici, Christian Storstein? Parce qu'en montagne, il peut toujours arriver quelque chose, Agnès Wallem. Merci. Et quand on est deux, il ne peut rien nous arriver, c'est ça? Seul ou à deux, tu restes une tête de mule. Bientôt arrivé, non? Ça n'a pas marché parce qu'on était trop jeunes. Incroyable. Ces peintures datent de quand? De l'époque des Vikings. Donc de plus de 4000 ans, quand les derniers glaciers se sont retirés. Elles datent de 4000 ans? En quoi ce peuple pouvait-il croire? Et nous, on croit en quoi?
Agnès? Bonsoir. Bonsoir. D'abord. Non, toi d'abord. Si à l'époque Louisa n'avait pas été enceinte de Mia, est-ce que tu serais revenue avec moi? Et après t'avoir demandé de me pardonner? J'en sais rien. Je peux pas te dire ce qui se serait passé si. Et c'est pareil aujourd'hui? Aujourd'hui. Je n'imagine pas les choses autrement. C'est pas facile avec Louisa en ce moment. Je me demande si elle a pas quelqu'un. Seulement. Tu me manques. Salut. Salut. On a fait ce qu'on a fait, mais je veux te dire que... j'aime ma femme et que j'aime ma fille, que je ne veux pas... je ne vais pas les abandonner. Je pourrais jamais faire ça. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Ça fait 8 ans que c'est terminé. On n'a pas de machine à remonter le temps. Et donc, nous allons rester raisonnables. D'accord. Et nous allons nous conduire comme des adultes. Tu vis ta vie? Je vis la mienne. Ok. On y arrivera. On y arrivera.
Louisa a promis à Mia qu'on irait passer quelques jours à la montagne. Comme tu ne seras peut-être plus là quand on rentrera, je voudrais bien qu'on essaye de se revoir avant de partir. C'est déjà assez dur comme ça. Demain soir à 9h au port. Va-t'en, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Qui c'est? Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Oh, bravo. Pardon, désolé. Ah, bah c'était réussi. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as écrit que je te manquais, alors je suis venu. J'aurais pas dû, c'est ça? Oh, au contraire, je suis désolée. Tu as bien fait de venir me retrouver. Mais j'ai juste... C'est pas grave. J'ai compris, tu as juste beaucoup de travail, tu veux juste que je te laisse tranquille et que je reparte. Arrête. Tout de suite. Non. Mais c'est juste que j'ai très faim, mais... Mais je suis sûre que si on demande gentiment à Fredo, il acceptera de nous servir. Je ne sais pas qui est ce fameux Fredo. Mais ça me va. Regarde, c'est un des endroits les plus sauvages du fjord. Sur votre droite, ce sont encore des falaises et encore des arbres. Tu me trouves pas drôle, hein? Non. On peut pas dire que tu me facilites les choses. Je suis désolée. Excuse-moi, je reviens. Défaut, mais je suis pas complètement idiot. Dis-moi ce qui se passe. Quand je suis arrivée, deux personnes ont ressurgi de mon passé. Qui est-ce? Christian Storstein et sa femme, Louisa. Oui. Tu m'avais parlé de lui. Sur le moment, je n'ai pas apprécié la façon dont tu en as parlé, mais je me suis dit que ça ne me concernait pas. Est-ce que ça me concerne? C'est dur de le voir tous les jours, chaque fois que je sors avec sa femme et avec sa fille. Et en voyant ça, tu te dis que c'est la famille dont tu rêvais? Jonas, c'est normal. Je te rappelle que Christian et moi, on a vécu ensemble pendant 12 ans. Ça veut dire que tu l'aimes encore? Je ne pense pas, non. Tu ne penses pas?
Il y a encore quelque chose entre lui et moi. Et c'est normal. Mais s'il y a quelqu'un que j'aime, c'est bien toi. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Ça sert à rien que je reste, autant que je pars tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Non. Je veux que tu restes. Et qu'est-ce que j'ai si j'accepte? Tu prends ta douche avant moi. Et après, tu auras droit à du pain frais et des bisous. Alors je reste. Salut. Salut. Plan définitif de vie, tout est sur le disque. Oh. Hop. Serviette. Oh, merci. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Ok. Allô? Ah, docteur. Non, non, j'ai décidé de ne pas me faire opérer. Pourquoi? Ça ne servirait plus à rien. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Emma m'a poussée, je suis tombée par terre, je me suis fait une bosse et ça a saigné. T'inquiète pas, l'infirmière a dit que c'était qu'une petite égratignure. D'accord, mais moi j'ai eu mal. Merci. J'ai préféré vous appeler pour qu'elle rentre se reposer. Mmh. Tu viens, on rentre à la maison. Je vais avoir une grosse bosse et ma cicatrice, elle va rester pour toujours. Non, ma chérie, je pense pas. Je vais avoir un truc horrible sur la figure et je ne trouverai jamais un amoureux. Oh, bien sûr que si. Tu pourras trouver tous les amoureux que tu veux. Et ton bobo aura disparu. T'es pas au bureau? Non. Papa, regarde! Emma m'a fait tomber par terre et je me suis fait mal à la tête. Ah ouais? Comment ça s'est passé? Il y a eu plus de peur que de mal. Non, j'ai eu très mal. Oh oui, j'en suis sûre, même que c'est le plus gros et le plus horrible de tous les bobos de la Terre. C'est pas vrai, t'es bête! T'es partie toute la nuit? J'avais envie de parler à Agnès, du passé, du présent, et puis de nous. Et alors? Ben alors, elle est pas venue. Tu connais la différence entre un médecin et un architecte? Le médecin en perd ses erreurs. Et l'architecte passe son temps à les gommer. Oui. Bonjour. Je t'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te présente mon ami Jonas Tiersland. Christian Storstein.
Enchanté. Vous voulez bien avoir l'obligeance de nous laisser seuls? Agnès et moi, nous avons des choses à nous dire. Pas de problème. Mais on se reverra. Certainement. Alors, tu n'as rien à me dire? Si. La vérité, c'est que... C'est qu'il voulait me parler, tout simplement. Il y a 8 ans, tout est allé trop vite pour nous deux, et voilà qu'aujourd'hui, nos routes se sont croisées et Le hasard a bien fait les choses, on dirait. Comment ça? Tu vas dans un petit village, complètement isolé. Et c'est là que vit ton ex-petite amie. Non, mais tu me prends pour un idiot ou quoi? Non, Jonas. Tu dois savoir que c'est sa femme qui m'a invitée ici. C'est elle qui est le maire de la commune. Et comme elle doit faire approuver les projets, elle a... Et elle a choisi justement de faire venir la femme avec laquelle a vécu son mari, qui n'a pas pu s'empêcher de coucher avec lui. C'est ça? Où est-ce que tu vas? Remettre les idées en place à ce type, ce que j'aurais dû faire en arrivant. Non, je t'en prie, Jonas, arrête, ne fais pas ça. Donc il n'y a que toi qui peux tout te permettre? Il n'y a que toi qui as le droit de changer de vie en 2 jours et de tout gâcher? Il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. C'est toi qui le dis. Ils vont très bien ensemble. Louisa. Ils se sont tellement aimés que je sais pas si mon mari était amoureux de moi quand il m'a épousée. Mais bien sûr qu'il l'était. Christian t'aime plus que tout au monde. Ce qui s'est passé avec Agnès... Peut-être qu'il m'a épousée parce que j'étais enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas qu'on fête l'anniversaire de Christian tout à l'heure. Tu m'as promis de venir. Bonjour, Louisa. Bonjour. Oui, je suis là. Non, tu n'auras pas opérateur avec toi. J'ai invité des amis pour fêter l'anniversaire de Christian tout à l'heure. Vous n'avez qu'à... Ah. Tu veux venir? On verra ça à mon tour, d'accord? Je te remercie, ça aurait été avec plaisir, mais mon compagnon vient d'arriver et nous n'avons pas vraiment eu le temps d'être ensemble. Je n'ai pas pu me présenter, Jonas. Enchanté. Louisa. Nous viendrons avec plaisir. Je peux pas tricher, je vois rien. Je vois rien, mais j'entends des trucs. Tu peux regarder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Christian. Happy birthday to you. Merci, merci beaucoup. Je vais pas oser souffler dessus. Merci. Je t'en prie, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, Mia.
Merci tout le monde. J'avoue que je suis un peu surpris, c'est normal. Donc je nous souhaite une bonne soirée. Et je tiens à remercier ma femme Louisa pour... Des invités surprises. Félicitations et bon anniversaire. Merci. Tenez. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton anniversaire. Et surtout beaucoup d'amour. Merci. Et ce bouquet est pour ta femme. Oh, c'est gentil, merci. Vous venez vous asseoir avec nous ? Un dessin. Regarde, c'est un dessin pour Agnès. Il est beau, hein? Très beau. Et si on allait lui apporter? Allez, viens. Tata Agnès. Oh, il est absolument magnifique. Merci, ma chérie. Tu dois lire. Pour Agnès. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, beaucoup. Je vais chercher une bouteille. Si c'est pour moi, c'est pas la peine. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il viendrait me rejoindre. Ouais, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et quand il était là, je n'ai pas pu te prévenir. Je t'assure. Agnès, ça n'a plus d'importance. Au contraire, il sait pour nous deux. Il était déjà au courant, mais je n'ai pas eu le temps de lui en reparler. D'accord, alors tu veux que ce soit moi qui le fasse? Non, ne t'avise surtout pas de faire ça. Je pense que vous avez eu le temps de vous dire ce que vous aviez à vous dire. Non, c'est inutile.
ça. Je veux pas que tu partes. Je t'en prie, Jonas, reste. Tout est fini entre lui et moi. Ah, c'est pas ce que j'ai compris en te voyant ce soir. Règle ce que tu veux avec lui, et surtout quand tu le veux. C'est tout ce que tu trouves à dire? J'ai l'impression qu'ici, les gens te rendent complètement folle. Tu couches avec ton ex-petite amie, tu es la grande copine de sa femme et de sa fille. D'ailleurs, vous vous entendez à merveille, tu es même la première à te réjouir. Je t'en prie, Jonas. Voilà ce qu'on va faire. Je vais aller chercher Christian, ok? Non, pas Christian, je veux surtout pas qu'il sache. Qu'est-ce qu'il ne doit pas savoir? Louisa, pourquoi tu dis ça? Louisa, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Je suis très malade, je vais bientôt mourir. Je suis allée demander à deux spécialistes pour être sûre. Christian a cru que je voyais quelqu'un. Je savais pas quoi répondre quand il me posait des questions. Je voulais surtout pas qu'il reste avec moi par pitié. Aujourd'hui, je veux qu'il soit heureux. Avec toi. Avec la femme qu'il a toujours aimée. Louisa, il ne faut pas dire ça. Je sais que vous seriez encore ensemble si j'avais pas été là à l'époque. Tu n'en sais rien. Ni toi, ni personne ne peut le savoir. Et je te rappelle que c'est moi qui suis partie. Oui, mais je sais que tu veux qu'il revienne avec toi aujourd'hui. Tu veux qu'il revienne. Je l'ai suivi le soir où il est venu te retrouver dans ta chambre à l'hôtel. C'est de la folie, Louisa. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu dois te battre. Tu entends? Tu n'as pas le droit. Je
suis à fond pour le moment. Laissez votre message après. Christian, je repars tout de suite. Je quitte ce village par le prochain ferry. Il faut que je te parle tout de suite. Ok. Tu repars comme ça, on allait tout arranger. Christian, ta femme est malade. Elle va mourir. C'est elle qui a tout planifié. Moi, avec toi. Elle t'a suivi jusqu'à mon hôtel, le soir où tu es venu me retrouver. Elle nous a surveillés sans arrêt. Ce qui s'est passé, elle l'a voulu. Elle a cherché à ce qu'on se revoie et qu'on se retrouve. Je vais chez moi. Louisa ! Louisa ! Louisa ! Louisa ! Louisa ! Mais c'est la seule qui augmenterait vos chances de guérison. Vos chances de... Bonjour. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Christian ? Elle n'est pas à la maison paroissiale et elle n'est pas chez nous. Pourtant, sa voiture est là. J'arrête pas d'essayer de l'appeler. Et elle ne répond pas. J'aurais pas dû la laisser seule, je... Peut-être qu'elle... Oh mon Dieu. Christian ! N'embarque pas. Attendez. Allez-y. Merci beaucoup. Oh non.
Louisa, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, d'accord, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Christian va bientôt arriver. C'est ton mari. Et il n'aime que toi. Non, il t'aime et tu l'aimes. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Oh non, Louisa. Ce sera plus jamais comme ça. Tout simplement parce qu'on ne s'aime plus. On s'apprécie toujours, c'est vrai. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est vous. L'amour, c'est toi. Et Christian. Et Mia. Je t'en prie. Je suis désolée, Louisa. Désolée de tout ce qui s'est passé. Il ne faut surtout pas vous en vouloir. J'ai jamais eu peur de la mort. Et en partant, je vous fais de la place. Arrête! Louisa! Non! Oh. Louisa! T'as pas le droit de les abandonner. Je t'en prie, Louisa. Christian et Mia croient en toi. C'est aussi ça, la force de l'amour. Louisa! C'est fini. Je suis là. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de savoir qu'on va mourir. Je suis là. Oui, je t'aime. On va s'en sortir. Le dieu tout là-haut. Odin, Thor, le grand patron ou je ne sais qui. Je t'en prie, fais en sorte qu'ils soient heureux tous les trois. Ils ne seront pas tout seuls. Vous non plus, vous n'êtes pas seuls. Il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne, même dans les moments difficiles. C'est bon à savoir. C'est merveilleux de le savoir. Oh. Et n'oubliez pas de terminer votre projet. Chez elle. Mais sûrement qu'elle reviendra nous rendre visite. Jonas, c'est moi. Je voudrais revenir à la maison, chez nous. Bien sûr, j'espère que tu es d'accord, alors... Rappelle-moi vite pour me dire que tu m'attends.